Et bonjour les petits amis, ce n'est pas une erreur pour ceux qui ont déjà vu les deux premiers épisodes, je recommence les épisodes sur Starfield, car j'ai décidé de faire quelque chose en fait avec un montage. Il s'agit d'un des rares let's play que je vais faire hors stream, pour pouvoir justement être tranquille parce que c'est un jeu qui demande beaucoup d'exploration, où il se passe pas grand chose. Et je peux sans doute que je ferai quelques lives dessus, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, tout est dans la description si vous voulez venir jeter un œil. On jouera sur d'autres jeux dans le pire des cas. Bref, on y va, c'est parti, Starfield. Et cette fois, on va pouvoir s'amuser comme il faut. Nous y voilà donc, on recommence donc un nouveau personnage, c'est parti. De 1330 sous la lune de Vectera. Bien, vous avez fini par vous réveiller. Bonjour madame. Étanchéité ok, oxygène ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Heller, c'est quoi ma règle de base? Écoutez Lynn, Boss Lynn a toujours raison. Exactement. Écoute-moi, le minage c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi, les poches pleines de crédits. Ouais, carrément. C'est pareil que bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'éboulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Varun, d'accord? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot? Ainsi, j'aurai l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. J'ai l'impression que la sacro-labiale a été améliorée. C'était beaucoup plus dégueulasse que ça dans mon souvenir. Ah putain, oui. C'est encore voyons voir ce qu'on a. Voilà. On est bon au niveau temps? On a un peu de marge. On prend des échantillons? Toujours. Mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liberastra? Il y a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union Coloniale? On serait noyé sous la paperasse. Oh, visez-moi un peu ce travail. Calvert! Non, 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 non! C'est un laser, pas une masse. Vas-y, Molo. Belling, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoot-toi! Ouais, ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les poudreux. Pour avoir votre paye, il faut la mériter. Pas d'exception. Allez, on s'active. Troy, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? On reste là? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok, on considère que ce filon est aride. Pourquoi on retournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant? Entendu, madame. Sir, yes, sir. Ah, tiens. Mon joujou. Allez, viens. Suis-moi. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi.
Tu penses qu'on a bientôt fini? J'ai entendu dire que... Il y a beaucoup de récoltes de minéraux dans le jeu. C'est assez fun. Pas forcément fun à regarder, mais à jouer, je sais pas, il y a un côté satisfaisant. Personne d'autre à déranger. Bah, tu vas te calmer, mais alors mets tout de suite. Je fais toute votre habilité à moi tout seul. Ils vous attendent. Reviens par ici. Allez, viens. C'est l'heure. Suis-moi. Que j'avais on se rapproche. Wow. Tout est juste. Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond. Ah voilà. C'est où, Heller? On va tenir F. Par là, je crois. Ok, toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Quelque chose. Et les lumières qui volent. Bon. Doucement. Ok, allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessure physique. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes? La nouvelle recrue d'Argos Extractor? Ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et c'est parti pour la création de perso. Voilà, c'est bon, on a fait la tronche du perso. Alors, l'antécédent. Voyons voir... Alors, le nom trouvé, il est très bien, lui. Pilotage, pilotage balistique et bien-être, il est pas trop mal. Fais voir un petit peu les autres. Alors, ça, c'est non. Ça, c'est non. Chasseur de primes. Pilotage. Système de ciblage. Certification jetpack. Il est pas mal, lui. Celui-là, en fait, là, chasseur de primes, là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est pas si mal que ça. Crapule de l'espace. Persuasion, pilotage, certification... Non, c'est surtout le fait d'avoir le jetpack dès le départ qui est intéressant. Et le pilotage. On va dire chasseur de primes, c'est très bien. Alors, pour les traits, adulation héroïque. Ça, c'est sûr et certain, je veux mon fan. Voilà. Avis de recherche, non? Cocon familial, oui. C'est très bien, ça. Et la maison de mes rêves, ça peut être sympa. Fais voir, attends. Toute votre vie, vous avez vénéré le grand serpent. Bon, ça, c'est des trucs, ça sert à rien. Adélien, non. Vous êtes profondément en phase avec autrui. Effectuez des actions. Plaise à vos compagnons. Augmente temporairement votre efficacité au combat. Ah. L'empathie, là, il est pas mal du tout. Il me plaît aussi. Euh...
C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir la maison de mes rêves. Quoi qu'on familial, il y a l'évaluation hiérarchique, il le faut absolument qu'on les prenne maintenant. Et empathie, ça me paraît bien aussi. Donc du coup, voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut. On y va. Le nom du personnage. Ah. Voilà. Je parie que tu t'attendais à un boulot pépère comparé à ton ancienne occupation. De la chasse aux primes au forage spatial, ça change? Oh putain, bon, voilà. T'as récupéré l'échantillon. Le client est en route, on va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé? La syncolabiale, voilà, est ratée, malheureusement. Dès qu'on arrive là, elle est ratée. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il faut vraiment qu'ils remettent le truc comme dans Elder Scrolls Online, le truc qui s'adapte en fonction du texte, parce que c'est vraiment pas possible, quoi. Alors, c'est incroyable, comme un rêve, une vision, c'est le vide complet entre mon entrée dans ce tunnel, c'est quoi cette chose? Il y avait cette lumière et de la musique. Merde, je peux pas le prendre. Ce qui est sûr, c'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste, je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup... Notre contact de constellation est en approche. Attendez, le groupe d'explorateurs? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. Merde, désolé. Hag, t'es juste trop jeune pour tout savoir. Eh, je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais... explorer l'espace? Qui fait encore ça de nos jours? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non? Pas pour eux, apparemment. Allez, maintenant, au sas. Mets ton casque. Alors, appuyez sur Tab pour revenir... Alors, ça, c'est pour revenir directement ici. Ma faute. Voilà, il faut juste appuyer. Alors... le casque, il est là. Qu'il a dégoté. Vraiment? Et tout s'est bien passé? Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi? Kazal. Et non, Barrett. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon? Vous avez vécu un petit trip, hein? On peut dire ça. C'était fun, non? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi.
C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Barrett, les scanners de l'argo indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Oh, je pensais vraiment les avoir semés. Barrett. Hop là, une petite seconde. J'ai pas les armes où il faut. Alors, attends, comment on fait? B, voilà. Alors du coup, le 1, c'est ça. Ok, donc du coup, là. Ah, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, il est. Découpeuse, il est là. C'est tout ce que j'ai? J'ai juste ce flingue. C'est la flotte écarlate. Prenez tous vos armes, préparez-vous. Utiliser un kit de soins, voilà. Pas d'autres morts? Évidemment, Barrett était suivi. À chaque fois. T'as vu Lynn? Elle a foncé sur ces pirates sans se poser de questions. T'as réussi quelques bons coups? C'est pas tous les jours qu'on découpe autre chose que des rochers. Ça, c'était du beau boulot sous pression. Vous avez déterré l'artefact, non? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Si Constellation peut me dire ce qu'est cet artefact, j'accepte. Merveilleux. Oh non, Barrett, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place... Je sais. Mais il a mieux à faire que miner, maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Merci pour tout, Lynn. Allez, partez, avant que je m'y penche trop. Bien, maintenant que ce problème est réglé. Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue, compris? Protocole Indigo. Indigo? Encore? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Hé, regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions? Pourquoi moi? C'est pas plutôt vous qui devriez aller? Vous voulez pas en savoir plus sur le spectacle son et lumière que vous avez subi? Pourquoi ça n'a affecté que vous? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, on l'a tous manipulé depuis sans aucun problème. Constellation a besoin de cet artefact, mais ils ont également besoin de vous. Ce mystère ne cesse de s'épaissir, et vous en êtes une pièce essentielle. Vous me donnez votre vaisseau? Vous voulez pas en... Au cas Désolé. Où vous l'auriez... Constellation a besoin... Voilà. Techniquement, il est même pas à moi. Appelons ça un prêt. Vasco vous mènera à bon port. Et puis, je fais une exception dans votre cas, puisque vous pouvez parler de votre vision à Constellation. Qui êtes-vous? C'est quoi Constellation? Vous voyez, c'est ça le problème des systèmes occupés. C'est trop facile de se contenter du superficiel. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ses intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Sans nous, la galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. Sur quoi on a mis la main exactement? Ah, c'est bien là la question à 1 million de crédits. Et Constellation peut trouver la réponse, avec votre aide.
Pourquoi la flotte écarlate vous poursuivait-elle? Ils obéissent à l'appât du gain comme tous les pirates. Mais j'ai une certaine réputation de, disons, aimant à butin. Bon. Et Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Allez, on se casse de ce caillou pourri et on part à l'aventure avec notre vaisseau. Montez à bord. Capitaine, j'imagine que vous savez piloter un vaisseau de classe A. Comme Barrett le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers. Au cas où nous rencontrions des difficultés. Station de recherche. Putain, j'avais oublié, on avait une station de recherche ici. Allez hop, la balle de baseball, tac, on va pouvoir la revendre celle-là. De soins, le pyjama. Réception en terre cuite. Cuite. Pince hydraulique. Il y a un aspect très réel que j'adore beaucoup. Alors, divers. Non, c'est pas là. C'est dans ressources, voilà. Hop, on va lui donner tout le bélium. Et on y va. Les boucliers sont prêts. Le reste ne dépend que de vous. À quel point c'était super jouissif ça. Oh, on peut. Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Alors, appuyez sur Alt gauche, et voilà, c'est ça. Oui. Maintenez à gauche pour allouer de la puissance. Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseau? Un appareil de la flotte écarlate ne vous tient en joue. Nous allons devoir désactiver leurs boucliers. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le déverrouiller pour tirer un missile à tête chercheuse. Les boucliers ennemis sont désactivés, capitaine. Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Félicitations. Vous avez survécu à votre premier combat spatial, capitaine. Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. C'est fait, j'ai pillé déjà. Putain. Attends, où est le... Où sont les... Ah merde, je crois que je les ai ratés. Non, c'est long. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ah si, là. Voilà, je les vois. Deux autres vaisseaux de la flotte écarlate arrivent sur nous, capitaine.
Ouais, non, en fait, faut continuellement tracer, je pense, parce que... sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte écarlate. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. Eh ben on va s'y rendre, pour nettoyer un peu tout ça. Appuyez sur Tab pour ouvrir le menu des données. Ouvrir la KCR. Ah, il faut savoir, on peut se rendre à toutes les planètes. C'est possible. Là, par exemple, là, je peux venir me poser sur la planète sans aucun problème. Mais ça prend des heures. Genre là, si je veux y aller, là, comme ça, en accélérant comme un dingue, et attendre comme ça que le temps passe, ça peut prendre jusqu'à 6 heures pour atteindre la planète. C'est possible. C'est impressionnant à quel point c'est bien foutu. Bon, c'est long et ça sert à rien. Mais c'est possible. Alors, du coup, la lune, Crit, qui était de l'autre côté. Est-ce qu'elle est impossible? Bon, bah écoute. On voyait jusqu'à Crit. Et c'est parti! Nous sommes en orbite. Le complexe abandonné, abritant notre capitaine de la flotte écarlate, se trouve à la surface.